Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors cette fois, c'est méthode de français de la classe de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre aux mots. Alors dans cette vidéo, je vous propose une activité vraiment très intéressante d'activité de langue. Il s'agit de conjugaison. C'est vraiment facile. Allez les enfants, prenez l'arbre aux mots. Méthode de français pour la classe de CE1 et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'à la fin. D'accord? Allons-y. Bonjour les enfants. Allons-y. On va faire quelques exercices d'entraînement cette fois pour bien comprendre la leçon. Alors, elle nous demande tout simplement de recopier puis relier chaque pronom ou nom au groupe de mots qu'il peut remplacer. Par exemple, le jeu. Je sais moi. Moi, je m'appelle, tout simplement. Il. C'est-à-dire. Oui, c'est le you-you. Tu. Ah, c'est toi. Je, c'est moi. Tu, c'est toi. Elle, c'est féminin. Ça veut dire la carte. Puisque la carte, c'est féminin. Ah. Oh. Ok. Revenir. Voilà. Alors, elle, c'est la carte. Nous. Les deux garçons, non. Farid et toi, non. Les femmes, non. Nico et moi, parce qu'il y a ici moi. Nico et moi, c'est-à-dire nous. Nico et moi. Nico et moi, c'est-à-dire nous. Il avec S, ça veut dire il. Et les deux garçons, puisque c'est pluriel. Elle, ça veut dire les femmes. Vous, ça veut dire Farid et toi. Farid et toi. Alors, je, c'est moi. Il, c'est le yo-yo. Tu, c'est toi. Elle, c'est la carte. Nous, c'est Nico et moi. Il avec elle, c'est les deux garçons. Elle, c'est les femmes. Vous, c'est Farid et toi. C'est très bien. On continue. Alors, on continue, mes chers élèves. Recopiez les phrases et soulignez les pronoms. Alors, je vais tout simplement recopier les phrases. Les cartes, c'est fini et ne sont plus à la mode. Nous jouons maintenant avec des yo-yo. Hier, j'ai acheté un Babel. Tu verras. C'est le plus rapide, a dit Farid. Alors, je recopie les phrases et je vais souligner les pronoms. Alors, je vois ici elle, apostrophe. C'est un pronom. Hein, on n'oublie pas S apostrophe. C'est apostrophe. Hein, c'est apostrophe. C'est un pronom indéfini, là. D'accord? Alors, on continue. Nous jouons. Nous. J'ai apostrophe, j'ai acheté un Babel, tu verras. Tu verras, c'est la plus belle. C'est le plus rapide, a dit Farid. Alors, on a ici C. Elle avec S, c'est un pronom. Nous, c'est un pronom. J'ai apostrophe, c'est un pronom. Tu, c'est un pronom aussi. Alors, les cartes, c'est fini et ne sont plus à la mode. Nous jouons maintenant avec des yo-yo. Hier, j'ai acheté un Babel. Tu vois, c'est le plus rapide, a dit Farid. Alors, recopiez les phrases en remplaçant les groupes du nom en gras par des pronoms. C'est à vous de chercher. On dit, mon père n'a rien voulu. Je vous donne bien sûr cet exemple. Mon père n'a rien voulu. Alors, mon père, puisque c'est un nom masculin, je peux remplacer par il. Il n'a rien voulu savoir. Ah, la même chose pour ma mère, la même chose pour Nico et toi. Écrit qui est désigné par le pronom personnel en gras. Par exemple, maman,
Je voudrais que tu m'achètes un yo-yo, dit Nico. Alors, qui parle ici? C'est Nico. Alors, Nico, c'est je. Alors, Nico, c'est je. Maman, je voudrais que tu, ça veut dire maman. D'accord? Voilà, vous avez compris? Alors, Nico, c'est je voudrais que tu, c'est maman, tu m'achètes un yo-yo, dit Nico. Maman, je voudrais que tu m'achètes un yo-yo. Alors, on continue. Tu devras attendre ton anniversaire, répond-elle. Tu devras attendre ton anniversaire, répond-elle. Elle, c'est-à-dire la maman. Et tu, c'est-à-dire Nico. Tu devras attendre ton anniversaire, Nico, répond maman. Ta mère et moi, nous sommes d'accord. Ta mère et moi, nous sommes d'accord, ajoute son père. Alors nous veut dire toi, ta mère et moi. Ta mère et moi, ça veut dire son père. Ta mère et moi, nous sommes d'accord. Vous êtes sûr? Ayouyou ne coûte pas cher. Vous êtes sûr? Ayouyou ne coûte pas cher. Vous êtes sûr? Ça veut dire la mère et le père. Vous êtes sûr? Ayouyou ne coûte pas cher. Vous êtes sûr? Ayouyou ne coûte pas cher. Vous veut dire la mère et son père. Ou la sa mère et son père. Bon, c'est ça. Alors, on va faire un cours de conjugaison. Vous avez bien compris maintenant les pronoms personnels. Sujet, ça veut dire je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Sans oublier bien sûr on. D'accord? Il y a un autre pronom indéfini. C'est, on dit c'est fini. C'est fini. Bon. On continue maintenant avec le cours. Rebonjour les enfants, conjugaison c'est facile. L'arbre à outils, le titre c'est les pronoms personnels de conjugaison. Ça veut dire je, tu, il, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors tout d'abord, j'observe et je découvre. Je lis les phrases ci-dessous. Alors il y a ici quatre phrases. Allons-y. Nadia aime le théâtre. Car il joue dans une troupe d'enfants. Karim préfère les jeux de société. Il est très fort au quiz. Mon frère et moi allons au cinéma. Nous avons choisi un bon film. Les filles jouent au football et elles sont fortes. Alors, dans la phrase 1, qui aime le théâtre et qui joue dans une troupe d'enfants? Dans la phrase 1, ça veut dire Nadia aime le théâtre car elle joue dans une troupe d'enfants. Qui aime le théâtre? C'est Nadia. Et qui joue dans une troupe d'enfants? C'est bien sûr Nadia. Alors le petit mot elle, c'est un pronom personnel bien sûr. Remplace un nom. Lequel? Alors elle remplace un nom propre, c'est-à-dire un nom de personne. Il s'agit de Nadia. C'est Nadia qui aime le théâtre. C'est Nadia qui aime le théâtre, car elle joue dans une troupe d'enfants. Elle remplace Nadia. Elle, c'est un pronom personnel, remplace un nom propre, c'est Nadia. C'est le sujet ici. Alors, on continue. Dans la phrase 2, Karim préfère les jeux de société et il est très fort au quiz. Quel nom remplace le petit mot il? C'est Karim. Karim et Nadia, ce sont des noms propres. D'accord. Alors, ces petits mots sont des pronoms personnels. Ces petits mots sont des pronoms personnels. Nous remplace mon frère et moi. Elle, avec S, remplace les filles. Vous avez compris? Alors, complète les phrases. Dans la phrase 3, nous remplace. Oui, c'est très bien, mon frère et moi. Dans la phrase 4, elle remplace. Oui, les filles. Redis la phrase 4 en remplaçant les filles par les garçons.
D'accord. On dit les garçons jouent au football. Il avec S. Il, c'est pas elle avec S. Et ils sont forts. Et ils sont forts. Alors, les garçons, puisqu'ils sont masculins, c'est un nom masculin singulier, je peux remplacer. Masculin pluriel, pardon, je peux remplacer par il avec S. Expliquez avec tes mots ce qu'est un pronom personnel. Bon, un pronom personnel, c'est un petit mot qu'on peut remplacer un autre nom. Voilà, pour éviter la répétition. Pour éviter la répétition. Alors, c'est tout pour le moment. Merci. À la prochaine.